Et yo tout le monde, ça y est, fameux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur Vita, du dessin, j'ai l'entend. Et puis j'ai un truc à rendre pour demain, donc je vais peut-être m'y faire. J'ai une bonne nouvelle. J'ai changé mes paramètres de stream pour pouvoir avoir un meilleur débit, pas avoir de problème avec les problèmes de stream, de connexion et tout ça. Et puis en plus, alors c'est assez marrant parce que ma connexion partagée avec mon téléphone portable. Et coucou Jess. Coucou. Je disais, avec la connexion de mon portable et tout, j'arrive à avoir un large meilleur débit vidéo ou d'upload, enfin tout ce que vous voulez, que avec la wifi de ma maison. Donc, j'ai paramétré OBS qui soit réceptif avec la connexion de mon téléphone portable, ce qui fait aussi que la qualité de l'image est un peu mieux et qu'il n'y aura pas autant de problèmes que si j'avais été resté avec la connexion habituelle. Le micro bug pas mal. Peut-être si je le rapproche un peu, non? Propriété audio avancée. Et là, c'est mieux? Oh là non, c'est pas mieux du tout. Le jack, moi il n'y a rien qui touche le jack. Propriété audio avance. En fait, c'est les décibels que je suis en train de toucher au niveau d'OBS. Donc, je sais pas si ça fonctionne. Ça veut augmenter en fait les décibels parce que sinon on n'entendait pas assez. Et parce que le micro il est un petit peu éloigné, mais pas trop. Le grésillement part, mais on t'entend plus toi. Bah en même temps, le micro je peux pas trop le rapprocher. C'est le gros souci. Parce que sinon ça empiète sur le PC ou sur tout ce qui va autour. Essayer de le mettre de l'autre côté, mais je promets rien. C'est le foutoir. Ah, c'est le foutoir. Hop là. Bon, là, par contre, je préviens, on risque d'entendre le ventilo vu là où je l'ai mis maintenant, mais là je pense qu'il risque de plus y avoir de grésillement. J'ai augmenté les décibels et repassé à 10 comme c'est depuis le début. Tac. Ça devrait être dû au jack.
Je vois de quoi tu parles. Je vais essayer. Attends, parce que j'ai un adaptateur en plus de prise jack à USB. Où est-ce que je l'ai foutu encore celui-là? Là. Mais là, c'est bon. Ah, ok. Je pense que pour la prochaine fois, je ferai en sorte que ça aille sur l'adaptateur. Bon, comment ça va du coup, Jess? Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de stream. Fatigué. Pourtant ça va, on a un jour de repos, tu devrais en profiter, non? Tiens, je vais mettre un petit peu de musique d'ailleurs en fond. Hop. YouTube. Tu as dû voir les parties de Wolves que j'ai mis. Celle avec 60 000. Enfin, 60 000. Ouais, c'est ça, 60 000 dégâts dans ta bataille là, non? Alors, je suis désolé, je suis juste un peu enrhumé. Oui, c'est ça. Oui, j'ai vu, oui. Bibliothèque. Alors, ambiance, afficher la liste complète. Voilà. Hop, je vais mettre de la petite musique. J'aurais bien voulu que ce soit tous pour Polo. C'est-à-dire. Je vais peut-être baisser le volume de la musique. Bien comme ça. C'est 60K de dégâts pour Polo sur son Richelieu. Le Richelieu, il a pas 70 000. Il a pas 70 000 de. Le point de structure, là, les cheveux. Je vais donc qu'est-ce qu'il est le prochain. Ah, il est mort le câble, je le retrouve plus. C'est il a 68. Ok, je reviens. Je vais me chercher un autre câble pour le. Parce que celui-là il est pas bon, il est mort. Faut vraiment que je me débarrasse de tous ces trucs. Déjà, je l'ai entendu. Et je vais devoir lancer Yon tablette. Mais l'Atlanta, c'est 700 oublis tirés. C'est tout à fait normal. C'est vrai que l'Atlanta, c'est une sulfateuse. J'avais oublié. Et en général, les croiseurs légers américains, c'est des sulfateuses. Je viens de remarquer, mais il y a 5 spectateurs aujourd'hui. C'est cool. Atlanta égale même notor au tier 7, avec une HU en plus. Parce que le même notor, il est que à la paix. Avec un short fuse, c'est vrai, mais il est que à la paix.
puis en plus c'est pas le même calibre. Je crois que le Minotaur c'est du 130 mm. Si je dis pas de conneries, attends, je vais quand même vérifier. Rose Numbers. Navire. J'ai dit navire. Minotaur. Minotaur c'est du 152 mm. Ok. Je comprends mieux pourquoi il est si pété. 152 en effet. Répartir sur 5 tourelles bitume. Ce qui fait 10 obus toutes les 4-5 secondes. Ça fait beaucoup quand même. Bon, je vais peut-être passer sur Krypta du coup. Oh la vache, j'ai encore changé de câble. Je suis un gros fou, je connais presque tous les calibres de tous les navires. Bah vaut mieux, en vrai vaut mieux. Bon bah changeons encore de câble, génial, je reviens. Faut que je fasse le tri dans tout ça. Tout se casse la gueule, génial. Ah, mais où est-ce que je l'ai foutu ce câble encore? Puis j'utilisais un autre câble. D'ailleurs, c'est mieux au niveau de la musique. Là. J'ai baissé un peu. Encore un peu, ok. On va mettre à 5 décibels, moins 5 décibels. Voilà. Bon là du coup j'utilise le truc de mon portable. Normalement c'est bon. Hop, voilà. Alors mascotte couette. Tac, je passe en main Krypta et on réactive ça. Et il nous manque notre tsundere de poche dans le chat. Ah, pour. Mais bon, je veux pas le plaindre.
Krita. Putain, je l'avais lancé en plus tout à l'heure. Ah bah voilà. Non. Ah si, voilà. Hop là. Ça vient pas de moi, c'est lui qui le dit comme ça. Bon, bah, si c'est lui, alors on va pas le contredire, hein. La dernière fois, on était rendu là. Ouais, on en était rendu là. Ouais, voilà. Notre beau gosse de mascotte pour le lycée, c'est pas mal. Sachant que j'ai une deadline en plus. C'est quoi ça? Quelques dessins, ok. Pourquoi je suis sur du vert jaune dégueulasse là? Il est où mon noir? Hop, 10. Je suis un peu rouillé par contre sur Krita, je dois l'avouer. Donc, Hop. La musique, je préfère le dire tout de suite, c'est la musique d'OST de Genshin Impact avec la bonne imitation des Huang. Le pire, c'est que j'avais revu le clip juste avant de lancer le stream, vu que je traînais un peu sur mes paramètres Twitch. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai... Enfin, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça, Xefino? Hein? C'est pas bien. Même si ça éclate les gens. Le pire, c'est que le clip a été vu 10 fois. Hein. Paula a dû le regarder, c'est sûr. Oui, j'imagine. Mais je veux dire, je crois que j'ai dû le partager, le stream, enfin le stream, le clip à d'autres gens. Tiens d'ailleurs, je vais voir du côté de Discord. Parce que oui, je sais pas si tu l'as remarqué, mais mon stream est un peu plus fluide. C'est toujours du 30 fps, mais il est fluide. Je sais pas si t'imagines à quel point c'est une révolution pour moi. Oui, j'ai remarqué comme la mage Wooze. La mage, je l'avais faite hier, dans la journée, pendant que j'étais en cours. Et c'était hier soir quand j'ai joué un peu, quand j'en ai profité un peu, vu que c'était la veille de l'armistice. J'en ai profité un peu pour jouer sur Wooze et bizarrement j'avais pas vu les nouveaux graphismes. Donc à mon avis ça s'est fait cette nuit sur les serveurs. De 6h à 9h, je comprends mieux. Je comprends mieux.
Je me dis, je pourrais essayer de faire des. Alors, vu qu'il est digitigrade, le personnage, enfin la mascotte, du coup, c'est compliqué pour lui de faire des chaussures. Je me disais, je pourrais essayer de lui faire des chaussures un peu design, mais en même temps adaptées à ses pieds. Il y a un truc à faire avec ça, hein. Y a un truc. J'ai mis des images si tu as pas vu. Voilà, que je ziote. Hop. Tu as mis sur local de Discord. Parce que là, je regarde sur, du côté des plots, il n'y a pas. Peut-être dans Media chez Dunfield. Non, j'ai pas. Screen des méchants plots, peut-être, non. Warship. Avec mon Iowa. Ah oui, tu parles des beaux screens. Oui, si, je l'ai vu. Je l'ai vu. Bah, je l'ai vu au moment où tu l'as posté. Hein. Je pensais que tu parlais de d'autres screens que tu avais fait récemment là. Hop là. J'aurais pas arrêté de faire des photos, tu m'étonnes. En même le département artistique de Wargaming, en vrai, ils sont géniaux, ils font vraiment des trucs de dingue. Mais ce qui bloque, en fait, c'est l'équipe marketing, tout simplement. C'est eux qui font les cons. Et c'est dommage, parce que ça gâche le jeu. Thank you.
là, il manque un truc en haut là. Hop là. Genre là, on remonte là. Paf. On va faire un peu comme des talons en fait. J'adore les mages. Sea of Thief mensuel qui font 8 gigas. Et encore, t'as pas vu Star Citizen. Star Citizen, les mises à jour, c'est trimestriel environ. À part quelques patchs, bien entendu, au milieu. Mais généralement, les grosses mises à jour, c'est trimestriel. Et si un gros coup de 40 gigas, environ. Environ. Et c'est parce que t'as toutes les technologies qui s'adaptent aux nouvelles mises à jour, qui sont intégrées dans le jeu. Ce qui fait que les fichiers sont ultra lourds. C'est pour ça aussi que je vais attendre d'avoir une excellente connexion. Pour faire en sorte que... Mais toujours pas de RTX. Alors, en fait, c'est voulu par les développeurs qu'il n'y ait pas de RTX. Du moins pour le moment. Alors, ils vont vraiment attendre que... la technologie soit très stable, je dis bien très stable, pour commencer à s'y intéresser. Mais pour le moment, ils créent leur propre technologie, donc... ils la peaufinent, on va surtout dire ça. Ils peaufinent leur technologie. Non, comment ça t'intéresse le RTX? Pour le RTX, il faut DirectX 11 Ultimate. Ils l'ont. CIG, ils l'ont. Ah, la porte qui s'ouvre. Ouh, il y a des fantômes. Mais c'est moi ou... Attends. J'y crois pas. Oh là 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 là, quel boulet. Toc, voilà. Hop là. Je trouvais ça bizarre aussi qu'il avait un côté vert, ce truc. Bah maintenant, je sais pourquoi.
À 100% le chat. Non, non. Là, pour le coup, c'est parce que j'ai la fenêtre qui est ouverte. En fait, ma porte, elle est tellement mal fichue, que ce soit au niveau du cadre ou autre. Fusionner. Voilà. Ma porte, elle est tellement mal fichue que elle peut s'ouvrir toute seule à n'importe quand. Mais c'est pas vrai, ce truc. Plus. Tac. Mais non, je veux pas ça, je veux ça. Je veux du noir. Alors, nouveau calque de groupe. Tac. CTRL Z, ok. Alors, juste comme ça. Mais non! Je veux du noir! Du noir pur, 100%! Mais non! Il me fait quoi, là? Stop. Et d'ailleurs, il est toujours pas. Qu'est-ce qu'il me fait, ce truc? Y a pas de possibilité d'utiliser le RVB ou RGB en anglais. Comment ça? Alors, fichier enregistré. Tac. Je relance, hein. Les codes de colorimétrie. Bah, RGB et RVB, c'est la même chose. Je vois pas où est le problème. Mais non, mais il me met là. Mais pourquoi est-ce qu'il me met là alors que je veux du noir pur? Et en plus, c'est en vert. C'est même pas avec l'espèce de violet, là. Hop. Non, attends, chez paramètres, ils sont où les paramètres? Affichage, image, calque, outils. Modèle, je vais remettre en RGB, hein. Parce que j'étais en 6 MJN en fait.
Non, il veut pas. Putain. Ce truc, il est en train de me foutre en l'air mon dessin. Ouais. Maintenant, je veux du noir pur. Ah, voilà, c'est déjà mieux. Ce qui compte de 256 pour chaque pour avoir une couleur précise. Qui se compte à 2A. Non, je comprends pas là. Je suis désolé. Oui, ben les codes RGB. Ah ben, y a la même chose en CMJN. Mais je vois pas en fait où est-ce que tu veux en venir, Zurdouza. Pourquoi tu me parles de ça? J'arrive pas à suivre. Si on met tout sur zéro dans le code RGB, on doit obtenir un noir pur. C'est pas plutôt le 100%? Enfin, tout en 100. Mais moi, je fonctionne pas. Enfin, comment dire? J'ai pas de système colorimétrique avec des. Genre. Moi, je fonctionne avec ça, ce carré, avec le truc autour, enfin avec les différentes couleurs autour, mais j'ai pas de quoi sélectionner telle couleur. Je veux telle couleur avec tel pigment. Je fonctionne pas avec ça, moi. Ouais, quand on combine
tout ce que tu as avec le code RGB, on peut avoir une couleur approximative, mais précise en corrigeant avec le code RGB. Non, moi j'ai juste un simple carré qui se situe là. J'ai pas le. Enfin, je vois à peu près où est-ce que tu veux en venir en fait. Je vais sortir InDesign. Non, InDesign, Illustrator. Hop, bureau. Tac. Tac, tac. Mais je vois à peu près où est-ce que tu veux en venir en fait. Oula, chute de FPS. Oula, pas bon. Il faudrait juste un code RGB sur le logiciel pour avoir les. Ah oui, pour avoir des couleurs précises. Oui, je vois. Non, mais je vois tout à fait où est-ce que tu veux en venir. Hop, on va prendre un simple A4. Allez, ça a l'air d'aller pourtant. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, c'était de ça que tu parlais là. Ce que l'on voit en haut là. Non, je veux pas moi. Dégage. Allez, c'est quoi ça? Oui, si tu veux. Oui, c'est je vois ce que tu voulais dire. Il y a pas ça sur Krita. Sur Krita, t'as une sélection de ça. Tu peux sélectionner sur tout ça en fait. Espace couleur quand même que je regarde, enfin si je fais ça, oui, mais il y a la luminosité en plus. Ouais, tu veux parler avec le noir. Ouais, voilà. Quoique je peux toujours faire avec la luminosité, hein. Genre là. En sélectionnant ici, normalement. Voilà. Il y a aussi la luminosité là. Pareil avec ici en bas là. Je peux sélectionner une luminosité. Ici pareil.
C'est un peu moins précis, c'est vrai. Mais bon, après je peux toujours agrandir, comme ça. Et puis hop, quand même un peu plus précis. C'est pas encore ça, mais voilà. Puis ici je sélectionne les couleurs. Pareil ici, tac. Et toujours avec la luminosité. Si on va au pixel près, là ça va être précis. Non mais si jamais je veux réutiliser une autre couleur que j'ai déjà utilisée auparavant, soit j'utilise la pipette, un classique, soit je vais ici sur la droite de la sélection de couleurs et tu as des teintes que j'ai déjà utilisé auparavant et c'est gardé en mémoire. Après oui, si jamais j'éteins le logiciel et que j'y retourne plus tard, là oui par contre je vais les perdre. Mais il me suffira d'utiliser la pipette, donner un petit coup de brosse par-ci par-là et puis normalement c'est bon, il y retourne. Ça m'évite de rechercher encore une fois à chaque fois une autre couleur. Mais le truc, si on va avoir le bleu Tour de France, la Ferrari, le code RGB est plus simple à trouver. Sans nul doute. Sinon, c'est simple. Tu prends une image déjà existante, tu la mets en calque de référence, enfin en image de référence, donc elle ne sera pas directement sur un calque ou autre, elle sera mise à part. J'ai plus qu'à utiliser la pipette et c'est bon. Après, c'est vrai que Krita ses limites, je dis pas le contraire, mais ça dépanne. Et puis en plus, si tu connais bien le logiciel, normalement t'as moyen de faire des trucs assez sympas. Là, j'ai trouvé le code RVB. Tac. C'est l'un des bleus 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 pour moi. Je crois que tu as mangé des lettres.
C'est mieux quand on se loupe pas. Composition, c'est quoi ça, composition? Ah, non. Fenêtre, non, paramètres. Panneau. Ah, mélange de couleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de retomber sur la vidéo de Memnotor que tu as mis. Il est bien, hein? Ah bah voilà. Je le cherchais. C'est bon, je l'ai retrouvé. CMJN. Voilà, CMJN. Ça, c'est le nuancier que je connais. D'ailleurs, je crois que je vais bosser avec maintenant. Tac, tac, tac et tac. Mais pas autant que le Atakazé. Attends quoi? Atlanta prend une plus grande place dans mon cœur, mais pas autant que Atakazé. D'accord. Oula, par contre. En pourcentage, merci. C'est mieux en pourcentage. Oh, c'est pas le même noir. Oh là 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 là. Oh la vache. Préférence d'outils. Je vais mettre ça là-dedans.
Tac. Tac, je crois que j'ai. Ah oui, continue. Non, ceci Liwe Arbor. Moi, ce que je veux, c'est Inazuma. Merci. Tac, fusionner le calque. Paf. C'est quand même mieux un noir bien profond comme ça. Tac, 10. Ah bah voilà, ça c'est un vrai noir. C'est ça que je voulais à la base. Tuc. Je viens de penser à un truc. Si l'un de nous deux se chauffe pour débloquer le minot pour fumer Polo, j'ai pensé à monter la branche du Minotaur, mais pour le moment j'ai d'autres priorités en termes de navire, je précise. Déjà là actuellement, je suis en train de monter trois branches avec une priorité actuellement, donc. Je vais éviter de faire trop de branches en même temps. J'espère qu'il verra pas ce message. Ah! Je préfère le préciser maintenant, ce stream sera rediffusé sur YouTube. Donc j'espère qu'il verra pas ce message. J'espère en tout cas qu'il n'aura pas le courage de regarder ces 1h30 de stream. Bébé italien, bébé européen et toutes les branches américaines. Et après, mon mentor disait de ne surtout pas monter plusieurs branches en même temps. Tous en T7. Ah. Non, moi actuellement, j'en suis au Hyper, comme tu le sais déjà, pour les croiseurs allemands. Ensuite, j'en suis au Normandie. Pour ce qui est des cuirassés français. Et j'en suis au Gaede. Pour les destroyers allemands.
Et je compte monter pas la branche du Z52, mais la branche du Helbing. Le Lelbonk, comme dirait Yuro. Était 8. Et les Allemands, tiers 6, CA et tiers 7, cuirassé. Et dire que tu es au Gneusno alors. Le DDT-7 européen suédois, il me manque juste 1 million pour l'avoir étiré à 12 km de torpe avec les torpes. 12 km, ça fait quand même beaucoup plus que mon Sims. Mon Sims, il envoie ses torpilles à 10 km 5. Donc ouais, 12 bornes, c'est pas mal, hein. C'est même excellent pour un tier 7. Après, il fera pas autant de dégâts que. Il fera pas autant de dégâts que le Sims. Ou que les Japs. Ou que les autres branches. Même, tout court. Mais. Non. Non. Le Sims, il a la possibilité de choisir entre des torpilles 9 km 2 et des torpilles 10 km 5. Il a le choix entre les deux. Et c'est gratuit. Vu que c'est un premium. Et c'est quand même plus pratique d'avoir les torpilles 10 bornes plutôt que les torpilles 9 bornes. Mais les longues portées, tu es pénalisé sur les dégâts, mais c'est nouveau. Pas chez les destroyers, je suis désolé. Là où tu es le plus pénalisé, c'est au niveau de la vitesse des torpilles, pas les dégâts. Parce que c'est vrai que ceux du Sims, vu qu'elles sont à 10 bornes, enfin 10 bornes 5 du coup, elles sont quand même plus lentes que les 9 km 2. Mais moi je me sers des torpilles surtout pour zoner en vrai. Pas pour faire du gros dégâts. Ça m'arrive parfois de faire des touches, c'est vrai, mais bon. Ah, elles vont aussi vite que les italiennes, c'est-à-dire lentement. Parce que je crois que c'est du 55 nœuds, si je dis pas de conneries, celle du Sims à 10 bornes. Contre 64 à 9 bornes. Ouais, c'est ça. C'est des torpilles 55 nœuds. Avec 10 bornes 5. Tu vas moins vite que les destroyers français. En même temps, les destroyers français, je suis désolé, mais c'est des. C'est des. C'est vraiment un running gag ce truc. C'est des. Ils vont trop vite! Ils vont trop vite! C'est des Ferrari! C'est des Formule 1!
Je parle des temps. Bah oui, mais c'est des Formule 1, les destroyers français. C'est normal qu'ils vont plus vite que les torpilles de mon Sims. Ouais, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Et c'est encore pire quand ils ont le boost moteur. Insérer la musique, Tango Fast. J'en avais une de musique comme ça. Attends. YouTube. Attends, j'en avais une mise de côté en plus. Je vais la retrouver. Non, pas. Oula, oula, oula. La connexion. Allô? C'est bon. Alors, liste de lecture. Wolves Fantage. Non, pas Wolves Fantage, c'est dans Genshin.exe. Ah, voilà, First Bump. Voilà, c'est ça. Non, pas ça. C'est une pub. Dégage la pub. Tu mets ça en même temps que tu joues au destroyer français, c'est bon, t'es refait. Mais bon, les DD français vont pas aussi vite que la Pininfarina Ballista, une voiture électrique, blablabla, divisée sur quatre moteurs bêtises. Là, c'est du chinois pour moi. Désolé. Que j'arrive pas à suivre avec mon petit frère qui m'explique des trucs sur les voitures. Alors...
Mais j'ai une bonne musique quand tu as un GK qui spawn en face. Barbecue party! Celle du houlon des volants! Ah là là. Grosseur court first avec un bon accent allemand. Et ça c'est quand tu es en noir et blanc. Ouais bah barbecue party. T'es en noir ou même, t'as un GK en face, barbecue party. Est-ce que le GK même là, en général, les cuirassés allemands sont tellement énormes au niveau de la superstructure que c'est tellement facile de les foutre en feu au final. Ça en devient maladif chez les Allemands. Salut, vous aimez les jeux vidéo? Moi j'adore. Ça fait des années que j'ai pas vu le soleil. Et c'était pas une pub League of Legends. je vais pas faire une petite queue qui dépasse. Merde. Où est-ce que je l'ai foutu celui-là. Peut-être là-dedans, je pense. Design graphique. Peut-être là-dedans. Si je crois, mais moi j'ai pas de pub sur YouTube car j'ai un secret. Ça s'appelle Adblock par hasard, non? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, j'ai potentiellement trouvé. Da, camarade, da. Da, camarade. Mon Dieu. Normalement, il doit être là-dedans. Je fais ça souvent dans les mondes des morts sur... Ok. Sur Sea of Thief. Où est-ce que je l'ai foutu, ce foutu croquis? J'avais fait un croquis de l'hermine. Bienvenue au goulag avec un accent russe. Mais chut, faut pas dire. Normalement, le goulag, il est secret. Enfin, officiellement, il y en a plus. Mais faut pas dire qu'ils existent toujours. Donc, chut. Ouais.
Alors, tac, vu que ça remonte par là, du coup, tac, tac, on va réaugmenter ça, tac. Ce qui voudra dire que, tac, ça fait ça, ça, c'est ici, donc, la queue, elle est comme ça. Donc tac, 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 voilà. Moi, je sais qu'il en garde un pour les méchants peu comme Polo. Ah, ça va. Polo, il est pas si méchant que ça. Il est juste un peu bébête. Ça va. Il est pas méchant. Genre Sakura, ce personnage dont je ne sais même pas, je sais jamais si c'est un homme ou une femme. Même si ça reste un gamin. Hein. Pour moi, lui, oui, il ira au goulag. Non, c'est juste un tsundere. Le pauvre, il en prend plein la gueule. Même s'il fait chier son monde, ça va, il reste gentil quand même. C'est un gentil plot. Un gentil plot très bête. Mais un gentil plot quand même. Mais c'est lui qui se dit comme ça. Comme je l'ai dit, il est très bête. Après, j'ai un gif où il a pris très cher sur une partie de Gartic Faune, mais on avait bien rigolé avec les modos. Je crois l'avoir déjà vu en plus, ce gif, me semble.
Oh là 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 là. Je le verrai. Non, mais je le verrai plus tard. Hein. T'inquiète pas. Du coup, tac. On va prendre un fond. Comme ça. On va retirer un peu de jaune. Tac. Tac. Je vais même le rendre un peu plus comme ça. Voilà, parfait. Tac. Tac. Voilà, maintenant on va passer aux couleurs. Ah, le stylet. Non. Oh non. Oui, deux secondes. Attends. Je coupe mon micro.
Bon, bah... Je pense que je vais pas avoir le temps de terminer. Ah, c'est pas vrai. Bon, tant pis. Du coup, je vais vous laisser là. Enfin, je vais te laisser là pour le moment. Le petit frère souhaite avoir le PC. Il est dans ses droits. Après tout, il est 5 heures passées. Donc, hop, je vais quand même enregistrer la mascotte. Tac. Main. Non. Ctrl Z. Tac. Voilà. Paf. Voilà. Et 2 secondes! Ah! Je t'avais dit quelques minutes! Je suis en stream! Mais je sais, je suis au courant, merci! Je dis au revoir! Qui m'énerve? On. Tac. Comme j'ai dit, je vais dire au revoir, hein. Bye bye. Je vais quand même faire un... Attends, je vais faire un raid. Je vais faire un raid. Chez quelqu'un d'autre. Hop. Avant de dire complètement au revoir. Tac. Enregistrer. Comment c'est enregistré? Ça a l'air. Tac. Je coupe Krita. Tac. Couper l'audio, merci. Attends, Jess, je vais faire un raid. Tableau de bord. Tac, je retourne sur le bureau. Remets-moi le front, merci. Gestionnaire de stream. Voilà. Aujourd'hui, il y a qui est en stream actuellement? Il y a quel copain qui est en stream? Il y a Dirko qui est en stream, il y a Kalek, il y a Benlek, il y a Siberia, il y a Terada. Je crois que je vais raid Dirko. Ah, tu veux pas Dirko? Alors. Donc, pas Dirko. Ah bon, on va stream. On va raid. On va raid Benlek. Tiens, Benlek. C'est un copain, ça. On va raid Benlek. J'ai payé l'Atlanta. Ah là là. T'inquiète. Actuellement, le Dirko, il a arrêté Warship. Donc bon. Tac. Lancer un raid sur Benlek. Benlek. Tac. Actuellement, il est sur Pathfinder. Wars of Righteous. Donc bon. Hop. Sur ce, je vais te laisser là. Hop, je vais mettre plein. Hop, non, voilà. Tac. Je vais. Ouais, voilà. Du coup, sur ce, j'espère que le stream vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les différents réseaux sociaux tels que DeviantArt, Twitter, YouTube. Twitch par la même occasion pour ceux qui regarderont le replay. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.